Chers parents et chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette belle salle. Une fois de plus, les élèves et leurs professeurs se sont surpassés pour vous permettre de passer un bon moment en notre compagnie. Pour être avec vous, des Itcom van Pieten, avec Pieten en Flandre occidentale. Moi, je traversais la rue. Je voulais garder mes pantoufles, mais j'ai pas pu. J'arrive, moi, en somme. Un petit village, reste dans le. Vous vous rendez compte? Reste pour m'amuser en buvant. J'ai vraiment envie de leur poser une question. Laquelle donc? Est-ce que vous avez l'Afrique? Pas dans mes oreilles, hein? J'ai pas entendu, Daniel. Pas entendu non plus, Arthur. Moi non plus, je l'ai pas entendu. Alors, est-ce que vous avez l'Afrique? Oui! Là, j'ai entendu. Ils sont sûrement prêts. Chers parents, chers amis, nous vous rappelons qu'il est interdit de manger et de fumer dans la salle. Nous vous demandons de couper vos GSM et par respect pour tous les participants, veuillez ne pas sortir de la salle pendant le sport. La Belgique est un pays, pour le moins, surréaliste. Vous en découvrirez encore quelques facettes. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour chanter la brave chanson avec les élèves de 2e C. Nous vont ouvrir notre spectacle. C'est l'hiver! On se ramène en Mexico. Dans les coulisses, on dit que pour le bas, faut se lever tôt. Ils savent qu'on est très fort et rapide comme des mosquitos. Et que sur le terrain, on va plus vite que les escargots. Quand on chante sur la balle, y'a plus rien qui peut nous stopper. Attention les copains, ça va partir comme une fusée. Les supporters sont là par milliers devant la télé. Allez les gars, courage, si on est là, c'est pour gagner. Et vive Mexico, enlevez le sombrero. Les petits belges, sont à Mexico. Les Mexicains se disent, eh bien Mexique, les Belges sont les plus forts, c'est bien ce qu'on nous avait dit. Si les petits Belges sont venus si loin, ici à Mexico, c'est pour marier des buts et pas pour prendre l'apéro. La Belgique en effet possède une très solide équipe. Faut vraiment être fort pour nous battre, nous casser la file. Les supporters en cœur, qui vivent les Belges, vivent la Belgique.